L'huile de jojoba. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. L'huile de jojoba est une huile végétale qui est très utilisée sur le visage pour lutter justement contre l'hypersécrétion de sébum et pour lutter contre l'acné. C'est une huile que je vous conseille parce qu'elle n'est pas du tout comédogène. Certaines d'entre vous m'ont écrit pour me dire la Terma, j'ai des soucis avec l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, je ne la supporte pas, elle me donne des boutons. J'étais très étonnée parce que normalement, à moins de faire une réaction, l'huile de jojoba est censée lutter contre les boutons, lutter contre la peau grasse. Parce que la peau reconnaît l'huile de jojoba comme étant son propre sébum, donc va diminuer la sécrétion de sébum et du coup va éviter que vous ayez un visage qui brille en journée et lutter donc contre l'apparition de comédons, l'apparition de boutons. Alors, j'ai donc fait un petit peu ma petite enquête et je me suis souvenu qu'il y avait un producteur au Cameroun que j'avais contacté parce que j'avais besoin d'acheter de l'huile de jojoba pour faire mes savons. Et la question que j'avais posée à ce producteur était de savoir si son huile de jojoba était pure. Quand je disais pure, je me lui demandais s'il n'y avait pas de mélange avec d'autres huiles. Elle me dit non, mon huile de jojoba est très pure. Parce que en général, l'huile de jojoba est couplée avec l'huile de paraffine. Et là, bingo. Je lui ai demandé comment ça. Elle me dit oui, parfois on te vend de l'huile de jojoba, mais en fait on te vend un peu d'huile de jojoba mélangée à beaucoup d'huile de paraffine. Et si tu n'es pas connaisseur, tu vas te faire avoir. Et je me suis donc souvenu aussi de vos questions en inbox, de vos remarques en inbox concernant l'huile de jojoba. J'ai donc contacté certaines d'entre vous et j'ai demandé à ce que vous m'envoyiez les photos de votre huile de jojoba et surtout la composition. Et j'ai donc constaté que beaucoup d'huile de jojoba venant du Maroc était coupée avec de l'huile de paraffine. Et du coup, j'ai alerté ces femmes et je vous ai alerté via un post Facebook en vous disant « Faites attention, apprenez à lire les packaging. » L'huile de jojoba que vous voyez là est une huile qui est fabriquée au Maroc. Alors, quand vous regardez la composition, vous voyez qu'il y a l'huile de paraffine et en dessous, il y a le chidensis, le nom latin, c'est de l'huile de jojoba. Et c'est cette huile que certaines d'entre vous, peut-être pas la même marque, mais c'est cette huile que certaines d'entre vous mettent sur le visage. D'accord? Il faut savoir que la paraffine est un occlusif. La paraffine n'est pas utilisée sur des peaux grasses, encore moins sur un visage rempli de boutons et rempli de sébum, au risque effectivement de développer la présence de boutons, d'acné et de multiplier la sécrétion de sébum. Alors, ce que je vous propose, c'est de toujours lire les packagings. Ne faites pas l'erreur d'acheter une huile végétale de jojoba en Afrique hein, et de prendre cette huile et de la mettre sur le visage sans lire la composition. Lisez la composition et si vous vous rendez compte qu'il y a du paraffinum liquidum, vous n'achetez pas. Si vous l'achetez, dites-vous bien que ce n'est pas pour le visage. Vous allez la mettre peut-être sur le corps, peut-être sur les cheveux. Maintenant, si vous avez ce type d'huile à la maison, au lieu de jeter, mettez sur le corps, sur les pieds, sur les mains, peut-être sur les cheveux, mais jamais sur le visage. Le fin mot de l'histoire, apprenez à lire les packaging. Et faites attention à tous ces produits qui viennent du Maroc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélanges. D'accord? Alors, n'oublie pas de liker et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Laisse-moi en commentaire le nom d'un produit que tu veux voir sur ma chaîne, mais aussi pour soutenir ta chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le lien utile en commentaire épinglé. Merci.